La philosophie de Leibniz. À la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle, il y avait deux grands rivaux en Occident, Leibniz et Newton. Rivaux à la fois dans la mathématique, dans la physique, mais aussi dans la philosophie. Bon alors, dans la vie de tous les jours, les gens ont plus tendance à connaître Newton. Pourquoi? Parce que Newton a révolutionné la physique et qu'on a fait des légendes sur lui comme quoi il aurait découvert les lois de la gravité en dormant sous un arbre et en se prenant une pomme sur la gueule. Enfin bon, si Newton a battu Leibniz en physique, on peut dire que Leibniz a battu Newton en mathématiques et en philosophie. Alors quelle est justement la philosophie de Leibniz? Parce qu'il y a sa philosophie et l'interprétation de sa philosophie. Et quand il y a interprétation, il y a transformation et donc déformation. Par exemple, dans Candide, Voltaire déforme les propos de Leibniz en disant que tout est pour le mieux, dans le meilleur des mondes possibles. Leibniz a conscience de la souffrance. Lorsque Voltaire tourne en ridicule les propos de Leibniz, c'est peut-être parce que Leibniz n'a pas utilisé les bons mots, ou tout simplement parce que les traductions des textes allemands de Leibniz ont donné un double sens en français. Parce que quand Leibniz dit que le mal n'existe pas, il faut reconstituer la phrase dans son contexte pour comprendre la pensée de Leibniz. Selon lui, lorsqu'on dit que quelqu'un est mauvais, c'est parce qu'on croit que cette personne est mauvaise. Et on croit que cette personne est mauvaise parce qu'on est subjectif. On est subjectif parce que nos sens et notre perception sont extrêmement limités. Si on serait objectif, on connaîtrait la personne, on connaîtrait l'histoire, on comprendrait pourquoi cette personne agit ainsi. Ainsi, selon Leibniz, le mal n'existe pas parce que chaque personne agit selon sa propre définition du bien. Nous sommes tous différents par notre histoire et notre contexte, mais nous sommes tous pareils par notre subjectivité. Et c'est cette subjectivité qui est la première cause des conflits. De même, une catastrophe naturelle n'est pas une catastrophe. C'est un phénomène nécessaire à la meilleure évolution de notre monde. Ainsi, d'après Leibniz, ce que l'on croit mal et ce que l'on juge mal, c'est ce que l'on ne comprend pas, mais qui est bon, par l'objectivité. Nous sommes des êtres imparfaits dans la perfection. Et c'est ce qui fait que nous sommes dans le meilleur des mondes possibles, d'après Leibniz. Démocrite, Épicure et Lucrèce sont les principales sources de la métaphysique de Leibniz. En y introduisant le concept de monade, Leibniz anticipe, et de loin, la physique quantique. Nous sommes sur Terre, la Terre est dans un système planétaire, ce système planétaire est dans une galaxie, cette galaxie est dans un univers, cet univers est en expansion, c'est-à-dire qu'il grandit à chaque instant, et d'après beaucoup de scientifiques, notre univers se trouve lui-même dans un hyperespace. La question est, l'espace est-il infini? C'est-à-dire, y a-t-il un enchaînement d'espace à espace qui ne se termine jamais, tel un enchaînement de poupées russes qui est à l'infini? Ou bien, l'espace est-il fini, c'est-à-dire y a-t-il une frontière entre l'espace et le non-espace? Autrement dit, la nature finit-elle par être à court d'imagination face à l'infini? Et dans ce cas, on appellerait en fait infini juste ce qui nous surpasse totalement, mais qui en fait serait fini. Pour étudier la question, Leibniz va s'intéresser à l'infiniment petit. Si on part du principe qu'on peut toujours diviser quelque chose, et ce, à l'infini, alors l'infiniment petit existe. Vu qu'on a beau trouver la plus petite chose que l'on veut, on pourra toujours trouver plus petit, il suffira de la diviser. Partant de ce principe, l'infiniment petit existe, et donc entre cette main et cette main, il existe un espace infini. Or, s'il existe un espace infini, mes deux mains ne pourront jamais se joindre. Leibniz en conclut que l'infiniment petit n'existe pas et qu'il existe un unique indivisible. Cet unique indivisible, il va l'appeler la monade. La monade est à la base de tout ce qui nous entoure. Et contrairement à Darwin qui avait tendance à simplifier les choses, Leibniz explique que la monade est la chose la plus complexe qui puisse exister. On ne peut pas déterminer sa forme et sa nature parce qu'elle est tout à la fois. Les monades forment la matière, les monades forment l'énergie, les monades forment le vide, les monades
sont les pièces du puzzle de notre monde. Et l'ensemble des monades forme notre nature complexe. Cette nature complexe est le dieu de Leibniz. Leibniz ne croit pas en l'espace. Quand on rêve, on a l'impression qu'on bouge dans un espace, mais en fait tout ça se passe dans notre imagination. De la même manière, quand on vit, on a l'impression qu'on bouge dans un espace, mais tout ça se passerait dans l'imagination d'un dieu. Et nous serions tous une partie infime de ce dieu. Et c'est pourquoi nous serions tous bons. Parce que Dieu a créé ce monde pour lui, et donc pour nous. Car le tout n'est en fait qu'un. Le dieu de Spinoza ressemble beaucoup justement au dieu de Leibniz, ce qui est tout à fait normal, parce qu'ils se sont beaucoup côtoyés, et donc auto-influencés. Enfin bon, maintenant, à vous de faire votre propre philosophie.